des sourires, de la confiance et l'envie d'aller de l'avant. 48 heures après son point pris au Parc des Princes, le premier contre Paris depuis 2012, l'OM de Rudy Garcia prépare une semaine à 2 matchs. Un déplacement en Coupe de la Ligue à Clermont et la réception de Bordeaux en championnat. Deux nouvelles étapes au cœur d'un projet qui se construit pas à pas. Après la 10e journée de championnat à Paris, l'OM s'apprête à faire son entrée en Coupe de la Ligue avec un 16e de finale à Clermont. La formation de Rudy Garcia vient de résister aux champions de France en titre. Elle doit maintenant éviter le piège chez le 14e de Ligue 2. Quelle impression, le revient à L'idée, c'est de se qualifier et de ne pas calculer par rapport au match suivant. Je vous l'ai dit, je ne sais plus, avant Paris ou non, ou après Paris, le match le plus important, c'est toujours celui qui vient. Donc là, c'est Coupe de la Ligue. C'est 95 minutes maximum. Voilà, c'est dans ce temps imparti qu'on doit, peut-être 96, peut-être 94, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est dans ce temps imparti qu'on doit se qualifier. En coupe, on ne sait jamais comment ça se passe. Hein. J'espère qu'on sera capable de montrer un visage tout autre que celui qu'on a démontré au Parc sur le plan offensif, sur l'utilisation du ballon, bien évidemment. On respecte beaucoup cette équipe de Clermont, mais aussi on doit montrer demain que l'Olympique de Marseille est capable de gagner un match comme celui-là, quand bien même c'est à l'extérieur et quand bien même on a joué, où on aura 2 jours de récupération de moins que l'adversaire. Direction le stade Gabriel Montpied, mercredi soir. Un peu plus de 10 000 spectateurs pour un match attendu depuis plusieurs semaines comme une grande fête. Celle-ci sera notamment animée par 551 supporters marseillais, emballés par les nouvelles ambitions affichées par le club la semaine passée. Ambiance d'abord détendue dans le vestiaire, avant que la musique ne s'efface pour laisser parler les cadres. Allez, bon échauffement, c'est important les gars. C'est un match coup près, les gars. C'est un match coup près. Hein. C'est pas le championnat où on aura le temps de récupérer des points, c'est important. On prépare bien les gars. On a un plan de jeu bien défini les gars, bien défini. On respecte les consignes, les coups de pied arrêtés. Après, on met de la vie dans notre animation, les gars. Offensivement. Offensivement, on fait de bonnes choses. On garde. Allez, on y va, les gars. Allez, c'est parti. On y va. Pour cette rencontre, Rudy Garcia propose un 4-3-3 et opère quelques changements. Pelé reste dans les buts derrière une défense à 4 avec Doria Rolando dans l'axe. Sakai à droite, Rekik à gauche.
Après Gomis à Paris, c'est Lassana Diarra qui portera cette fois le brassard de capitaine. Au milieu, il sera épaulé par Machache et Lopez, titulaire pour la première fois en pro. Devant, on retrouve un trident classique. Gomis en pointe, Thauvin et Sarr sur les côtés. Ambiance festive pour un match couperé. Tout autre résultat qu'une qualification serait un frein à l'image conquérante que veut renvoyer l'OM. En ce sens, la première période se veut rassurante. Attention à cette accélération. Oh, long ballon pour Gomis. Voilà, sauvetage. Thauvin à nouveau. Allez, bon ballon pour Gomis. L'OM a la maîtrise du ballon. Ballon, ça prend un kick. Un pièce appliquée sur le centre. Il domine son match de la tête et des épaules. Allez. Tête de Gomis. Et les choix de Rudy Garcia se montrent payants. À l'image de son entrée contre Metz 10 jours plus tôt, Maxime Lopez fait preuve de maturité dans son jeu et ses prises de décision. Avec Maxime Lopez, la frappe. Et c'est sur le gardien. Audacieux, les Marseillais font aussi preuve d'une belle justesse technique. Et sont récompensés juste avant la mi-temps. Bon ballon, allez, Gomis la remise, la frappe et le but. Avec jusqu'à 89% de possession, l'OM semble hors de danger contre un pensionnaire de Ligue 2 bien trop timoré. Mais les joueurs de Corinne Diacre vont revenir du vestiaire avec d'autres intentions. Oh, attention à ce bon ballon donné dans le dos, il n'y a pas de position de hors-jeu avec la frappe derrière. Oh, l'égalisation. L'égalisation clermontoise signée. Surpris mais pas assommé, les Olympiens ne tardent pas à réagir. Contrôle réussi mais frappe ratée pour baffer Gomis à l'heure de jeu. Au contrôle de Gomis. Ce n'est que partie remise pour le meilleur buteur de l'OM, qui fait mouche 8 minutes plus tard. Toi, le bon ballon pour Gomis, la frappe. Et le deuxième but. Oh, voilà, une action, une seule action pour cet homme-là, baffé Gomis. Les Marseillais ont repris l'avantage, mais ils viennent de perdre Sakai sur blessure, remplacé par Fanny. Autre changement important, la sortie de Thauvin pour Alessandrini. Après plusieurs semaines de galère à cause d'une blessure au pied, Romain retrouve enfin les terrains, contre le club qu'il a révélé en 2010. Le public de Clermont n'a pas oublié son joueur, ni le nombre de minutes restantes pour que son équipe recolle au score. Qui peut centrer, attention à la tête ! Ou l'arrêt ! Johan Pelé et les siens subissent encore plusieurs assauts clermontois jusqu'à la fin. Une nouvelle fois avec ce ballon, il va se retourner, la frappe ! La balle de match revient à un ancien joueur de l'OM, Wesley Jobello, tout près de s'écrire une belle histoire et de jouer un bien vilain tour à ses anciennes couleurs. Remise, attention, plein axe avec la frappe ! Qui va passer à côté ! Après une première période maîtrisée, les hommes de Rudy Garcia se sont fait peur mais obtiennent la qualification. L'OM continue sa marche en avant. Et la semaine ne fait que commencer. Donnez.
Bonjour. Content que tu sois là. Oui. Vraiment très content. Merci beaucoup. Jeudi 27 octobre 2016. Le président Jacques-Henri Hérault officialise l'acte 2 du projet OM Champion. Le nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille arrive tout droit du FC Barcelone. Andoni Zubizarreta, ancien gardien de but aux 126 sélections avec la Roja. Je crois que c'était le bon moment maintenant pour regarder sur un plus long terme la façon dont nous voulions bâtir ce projet sportif avec quelqu'un dont la mission ne va pas être celle du prochain match, mais celle de construire un club qui donnera la place aux enfants de Marseille, aux jeunes talents marseillais, mais évidemment un club qui va aussi se renforcer au fil des mercato. Et le travail commence maintenant. Bienvenido. Bienvenido, bien hallado. Gracias. Gracias. Ça va, Jacques-Henri? Salut. Et toi? Bien. Ouais. Bon, de retour. Tu vas bien? Oui, oui. Je crois. Mais oui, tu vas bien. Regarde le temps qu'il fait. Oui, oui. On veut le même temps qu'à Barcelone. Oui, c'est le comme Barcelone, ça, Andoni, il sera tranquille. Abonné. Oui. Tu veux exprimer que je suis très content. Merci à Jacques-Henri parce qu'il m'a donné la possibilité d'être ici, d'être dans un club qui a une grande personnalité de foot, qui a une grande passion, une grande relation avec les supporters. Pour moi, le foot, c'est la passion, c'est de l'émotion, c'est le jeu. On va essayer d'avoir les meilleurs joueurs. Ils sont espagnols, ils sont français, ils sont allemands, ils sont italiens. Et ils ne font rien. Mais je crois qu'on part toujours. C'est pour ça que je vous dis avant, il faut bien connaître qu'est-ce que nous avons dans l'équipe. Et je crois qu'on peut faire un bon groupe. Hinton, viens. Bonjour à ton directeur sportif. Bonjour. Merci. Ça va? Oui, ça va très bien. Bien. Ouais, ça va bien. Voilà, pas bien, pas bien. On ira mieux. On ira bien encore. Ouais, ça va, ouais. Ça va. Ok, parfait. Ouais, merci. Bonjour. Voilà, là, ça bosse. Bonjour. Bonjour, monsieur. T'as Majo Doria, t'as Bounassar. Bonjour. T'as Johan Pelé. Bonjour, bienvenue. Je parle avec le podologue. Avec lui, non? C'est le plus facile de parler avec le podologue. On peut parler de. Vous pourriez parler de même jeu. Une autre activité différente. C'est ça. Okay. Bon, voilà, c'est bien. Non, tu parles bien français, ça va. Je ne dis pas le contraire. Je vais faire le contraire pour dire que je ne comprends pas. L'OM se donne les moyens de ses nouvelles ambitions. Et pour rayonner comme il se doit, ce projet a besoin de bons résultats de l'équipe actuelle. La mise en échec de Paris au Parc des Princes s'est posée comme un symbole du renouveau. Il faut maintenant confirmer dimanche avec la réception d'un autre rival historique, Bordeaux. Celui-là, il est important parce qu'il conclut une semaine qu'on a très bien démarré. Et bien conclure parce que c'est chez nous, parce que les joueurs le méritent sur ce qu'ils ont fait, ils ont bien travaillé, mais il faut qu'ils continuent à travailler comme ça pendant deux jours. On connaît cette équipe de Bordeaux, on connaît sa qualité. On sait que ça sera un adversaire de coriace, de bon niveau, mais à nous d'être à la hauteur de l'événement, d'être meilleur que l'adversaire, de mériter de gagner et puis qu'on puisse prendre les trois points. Encore une fois, il n'y a pas d'autre objectif. À zéro à droite. On sent les joueurs animés d'une certaine confiance. Celle d'évoluer dans un club qui veut surpasser ses concurrents. Vous êtes sur une coupelle, soyez actifs toujours. Ok, jouez là. Le cadre reste strict.
Groupe de gauche, 5 pompes. Le groupe a gardé sa cohésion du début de saison. Ouais, c'est pas clair. On va t'enlever soit le titre de Coupe de France ou le champion de France. Et pour certains, tous ces changements offrent un nouveau départ. C'est le cas de Rolando. Titulaire à Clermont et à Paris, où il a été élu homme du match dimanche dernier. Ça va, Mathieu ? Ça va bien. Ça va bien ? Un véritable retour en grâce pour le Portugais. Passé de l'ombre à la lumière en une semaine. T'as bien mangé ? Ah oui, bien mangé. Ah oui, c'est bien. Quand un entraîneur te fait jouer, et pour toi, c'est le meilleur. Et le plus important dans le foot, c'est être dans l'once, c'est jouer. C'est, même si tu ne joues pas, tu sais que le coach compte sur toi. Et le foot, c'est comme ça. Avec mon expérience, je sais que les choses changent vite. Et on doit profiter le moment et se donner à fond pour profiter le moment et de continuer à mériter la confiance. Ça va ? Ouais. Dis-moi, il y a un truc qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce qui te dit Doria quand tu reçois ton prix de meilleur joueur du match ? Non, il est content pour moi, mais non, c'est le premier match, tu prends ça, ça doit être à moi et ça. Bon, tu vas... Ah, c'est mon pote, tranquille. Ouais, vous entendez bien tous les deux. Hein. Très bien, très bien. Bah, vous essayez de refaire ça demain. Ah oui, ça. Meilleur ça, homme du match, quoi que si c'est toi l'homme du match, c'est pas bon signe. Faudrait que ce soit quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est ça, quelqu'un d'avant qui a fait un doublé, on a gagné, tranquille. Pour moi, c'est parfait si ça se passe. Dès qu'à la fin, on porte le 3 points chez nous, c'est ça le plus important. Ciao, merci. Ciao, merci. On ne sait pas encore si Rolando et Doria débuteront contre Bordeaux dimanche. À l'intérieur du groupe, d'ailleurs, personne ne sait qui commencera la partie. Bonjour à tous. Rudy Garcia préfère donner son 11 de départ au dernier moment. En attendant, l'entraîneur marseillais enregistre plusieurs retours dans son effectif par rapport au week-end précédent. Remis de leurs blessures, Cabella et Alessandrini retrouvent le groupe. William Vainqueur a purgé son match de suspension, mais il sera trop juste pour être retenu contre Bordeaux. Point d'Hiroki Sakai ni de Clinton Engie non plus. Les deux joueurs sont blessés. Soir, pendant que les Olympiens prennent la direction du stade, l'Orange Vélodrome s'apprête à battre le record d'affluence en Ligue 1 pour cette saison. Plus de 57 000 spectateurs garniront les tribunes ce soir. De nombreux enfants sont présents grâce à une opération offrant le billet aux moins de 14 ans accompagnés. Cet OM Bordeaux s'annonce comme la fête idéale des vacances de la Toussaint. Le match promet toutefois d'être compliqué. Les Girondins sont là pour défendre leur avance au classement. 10e de Ligue 1, 2 points devant l'OM. Les hommes de Jocelyn Gourvennec n'ont pas l'intention de se retrouver derrière l'équipe de Rudy Garcia lundi matin. Trouver la solution dans le bloc bordelais s'annonce difficile. Thank you.
Pour ce faire, l'entraîneur marseillais s'appuie sur les satisfactions du moment. On retrouve le 4-3-3 victorieux à Clermont quelques jours plus tôt. Rolando est toujours associé à Doria en défense. Les jeunes Macha chez Lopez et Paul Diarra au milieu. Tovin, Sarr et Gomis forment l'attaque. Seul change le capitana. Le brassard sera cette fois au bras de Rod Fanny, titulaire dans le couloir droit à la place de Sakai. Ambiance des grands soirs, les Marseillais veulent emballer la partie. Et c'est récupéré là-bas sur le côté gauche pour l'accélération de Boulassar qui est passé. Boulassar peut-être le centre en retrait pour Gomis. Mais celle-ci ressemble rapidement à une partie d'échec. Bordeaux a verrouillé tous les accès à sa surface de réparation et fait preuve d'expérience pour contenir la fraîcheur d'un Maxime Lopez, encore une fois très bon. La faute sur Maxime Lopez. Au quart d'heure de jeu, l'arbitre Nicolas Rainville se blesse et cède sa place à Johan Hamel, initialement quatrième arbitre de la rencontre. Durant cet intermède, les supporters en profitent pour donner de la voix. Poussé par un public de feu, Florian Thauvin décoche un missile repoussé par Prior. Ballon boxé par Prior. Le match semble se débrider. Ounas qui a fait ça sur mon pied. Heureusement que c'était le pied, c'est le pied droit. Mais de part et d'autre, on voit davantage de situations que de réelles occasions dangereuses. Au deuxième poteau, il est tout seul. Après l'arbitre, c'est Bafétim Bigomis qui semble touché derrière la cuisse. L'attaquant fait le maximum pour aider ses coéquipiers. Mais il apparaît clairement diminué. Les Bordelais finissent mieux cette première période. Attention à ce duel ! C'est bien défendu, attention. Et font heureusement preuve de maladresse sur certains ballons dangereux. Côté olympien, Florian Thauvin se pose en véritable fer de lance. Bon ballon avec Thauvin, le centre, la tête ! Poussant l'adversaire à la faute. Du moins quand celui-ci parvient à l'attraper. Thauvin qui est passé, double contact avec Florian Thauvin. Mais la fougue de Florian ne suffit pas. 0-0 à la pause. La deuxième période reprend sur les mêmes bases. Thauvin est intenable. Mais en face de lui, Prior qui remplace Carasso réalise l'un de ses meilleurs matchs avec Bordeaux. Avant l'heure de jeu, Gomis n'arrive plus à surmonter la douleur et cède sa place à Leia Iseka. Un peu plus tard, Machache cède la sienne à Cabella. En parallèle, le duel Thauvin-Prior continue de plus belle. Bien fait à l'épaule, Thauvin. Florian illumine encore la partie avec un enchaînement contrôle-passe de grande classe. Bon ballon pour Florian Thauvin. Et la frappe. Oh, qui va passer à côté. Nouvelle action marseillaise quelques minutes plus tard. La fraîcheur de Rémi Cabella pose problème au Bordelais. Cabella a bien fait ça en 1-2. Cabella à nouveau. Tout près de céder. Centre en retrait. Oh, il va pas la mettre au fond. Il l'a mis à côté. Oh, Iseka. Les Olympiens poussent encore Prior à la parade. Une tendance qui persiste, tout comme l'ambiance du stade. Un régal du début à la fin. Jusqu'au bout aussi, Thauvin reste un poison pour l'adversaire. Le numéro 26 marseillais est incontestablement l'homme du match. Prior l'empêche d'en être le héros. Thauvin. Oh, t'es vicieux, t'es vicieux cette frappe. 0-0 score final.
pas le résultat escompté, mais un point positif à plus d'un titre. Toujours invaincu à domicile, fort de 6 matchs consécutifs sans défaite. L'OM est dorénavant 10e de Ligue 1. Pas à pas, l'équipe avance en même temps que le club évolue. Une marche en avant qui répond aux attentes du public, de par leur présence et leur chant. Les supporters ont montré ce soir leur adhésion à ce projet ambitieux. Il nous a manqué un but pour être totalement à la hauteur du stade Vélodrome et de son côté grandiose ce soir. C'était juste magique. Voilà, on aurait aimé leur offrir cette victoire, on n'a pas su le faire. Quand on ne sait pas gagner, il faut au moins savoir ne pas perdre, et ça c'est aussi une qualité. Hola, soy Álvaro. Abónate al canal de Loem, justo aquí.